Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur RJL pour Klezmer Attitude. Une demi-heure à passer ensemble avec Omer Klein. Oui, aujourd'hui, je vous fais découvrir un CD qui vient tout juste de sortir dans les bacs. Donc, il est tout frais, tout chaud, aussi bon que du bon pain. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous le présenter en avant-première. Dans Klezmer Attitude, voilà, c'est à ça que sert cette émission, à vous faire découvrir le meilleur de la musique juive et au sens large. Et donc, Omer Klein, c'est un pianiste de jazz israélien qui a déjà sorti de nombreux albums, je crois qu'on doit en être à son huitième maintenant, et il est encore jeune, et il fait des choses assez intéressantes pour que je vous les propose. Donc cet album s'appelle Radio Méditerranée. C'est une espèce d'ode à la musique autour de la Méditerranée. Hein, Omer Klein explique qu'il a découvert presque par hasard que lui et ses deux musiciens, donc le batteur et le bassiste qui forment ce trio de jazz, avait tendance à écouter pendant les pauses, entre les concerts, dans les tournées, de la musique qui était essentiellement de la musique issue du bassin méditerranéen. Et ils se sont donc décidés de créer un album, des compositions qui essayeraient de faire ressortir ce caractère méditerranéen, si tant est qu'il existe, à travers cette musique qu'ils connaissent le mieux, qui est la musique de jazz. Et donc on obtient cet album qui possède 9 titres et on va en écouter quelques-uns aujourd'hui. On commence tout de suite par Protest, donc c'est tiré de cet album Radio Méditerranée. On reconnaît, hein, la mélodie fait assez orientale, je dois dire. Hein, Omer Klein est un grand maître de la mélodie. Et puis bon, après ça se développe et c'est ma foi tout à fait réussi. Protest. Omer Klein Trio, tiré de l'album Radio Méditerranée. Thank you.
Voilà, l'album Radio Méditerranée qui vient de sortir, le dernier album de Omer Klein. Alors, dans cet album, il y a évidemment piano, basse, batterie, mais Omer Klein a essayé d'insérer, en plus de tout cet état d'esprit méditerranéen, ce continent secret, cette zone culturelle dont les pays partagent plus de choses qu'ils ne l'imaginent. Je cite là Omer Klein. Il a adapté ça avec des sons qui sont un peu plus pop, notamment l'utilisation de synthétiseurs et de percussions. Et le titre qui donne son nom à l'album, Radio Méditerranéenne, est un exemple de ce que donne cette insertion d'une sonorité un peu plus pop dans ce trio de jazz. On écoute Radio Méditerranée par le trio Omer Klein.
Voilà, le trio Merklin est dans le titre Radio Méditerranée. Alors, cette musique que fait Omer Klein, c'est pas, on pourrait croire qu'il y a derrière un message politique, hein, en parlant pour un Israélien du bassin méditerranéen et de toutes les cultures qui l'environnent, mais il dit, je voudrais faire comprendre qu'il existe davantage de choses qui nous relient que de choses qui nous séparent. C'est mon message politique. Notre histoire démontre que les multiples cultures méditerranéennes nous ont influencés de façon positive et nous ont enrichis. Voilà, un beau message qui serait le thème à faire passer dans cette musique. Si tant est qu'on arrive à faire passer des messages avec la musique, moi je pense essentiellement que la musique est partage, que la musique c'est l'occasion de donner la parole à tout un chacun, parce que chacun a exprimé quelque chose et qu'il n'y a pas d'antagonisme dans ce qui est exprimé, il y a juste une richesse, un enrichissement mutuel. Voilà, on écoute The Last Day of School, le dernier jour de l'école. Oui, c'est toujours un peu pédagogique ce que je raconte. Le trio Omer Klein.
le trio Merklin. Voilà, c'est donc un album qui s'appelle Radio Méditerranée, qui vient tout juste de sortir dans les bacs, chez les disquaires et sur Internet. Et donc, vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui. Et je termine l'émission avec un dernier morceau. Là aussi, on sent bien cette influence méditerranéenne, orientale, bulgare, turque. Toutes ces influences qui se mêlent. Un morceau qui s'appelle Arak. Hein, c'est donc la boisson alcoolisée typique de de l'Est de la Méditerranée. L'Arak du trio Omerklin. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.